mon expérience avant la création de la VLH, c'est une trentaine d'années passées dans le domaine des petites centrales hydroélectriques, à la fois en tant que constructeur de matériel et également en tant qu'exploitant de petites centrales. Ça a commencé par la direction d'une société de construction de turbines à Rodez dans les années 80, et ensuite par un poste de directeur technique dans un grand groupe, un constructeur reconnu internationalement, dans le segment des machines de petite et moyenne puissance. Bon, le concept VLH, son avantage essentiel, c'est l'optimisation du prix matériel plus le génie civil dans lequel vient s'insérer le matériel. De plus, sur ces machines-là, nous avons adapté un générateur à vitesse variable et à vitesse très très lente, ce qui a permis aussi une bonne adaptation à la variation de chute qui est le corollaire de la basse chute. Les basses chutes sont essentiellement variables en fonction du débit des rivières et la VLH a une très bonne capacité d'adaptation à la variation de chute. Enfin, c'est une machine qui, du fait de sa vitesse de rotation très lente et des vitesses de passage d'eau très faibles à l'intérieur de la machine, a des caractéristiques très intéressantes vis-à-vis de la faune aquatique. Elle a un caractère qu'on a appelé ichtyophile, c'est-à-dire que les essais ont prouvé que cette machine était inoffensive vis-à-vis des poissons qui pouvaient passer au travers de la machine dans le cadre de la dévalaison. L'autre point très important en termes d'impact environnemental, c'est sa discrétion. C'est une machine qui est invisible, qui est totalement submergée, qui ne demande aucune grande infrastructure, pas de bâtiment central, etc. Et donc qui est très discrète d'un point de vue visuel, ce qui la rend très très utile dans des contextes d'environnement protégé ou d'environnement urbain. L'autre aspect environnemental très positif de la VLH, c'est son aspect absolument silencieux. C'est une machine que l'on n'entend pas. Donc entre l'impact visuel et l'impact sonore, très réduit, on peut imaginer d'implanter des VLH en cœur de ville, à proximité immédiate d'habitation. Et ça, c'est absolument unique. Le brevet a été déposé en novembre 2003. Et à l'époque, on n'avait pas vraiment l'intention de partir dans un développement important. Le souci, c'était d'avoir un produit qui permettait d'équiper des basses chutes et peut-être d'avoir un avantage compétitif vis-à-vis d'autres producteurs autonomes. C'était plutôt dans un esprit producteur autonome. Mais nous avons présenté le projet au concours de l'innovation, un concours qui est animé par le gouvernement français, qui est sous l'égide du ministère de l'Industrie. Et on a été lauréat du concours de l'innovation. Et ça a amené des fonds qui ont permis de développer correctement le produit. Mais dans le cœur de gamme, un projet se fait avec une VLH ou ne se fait pas, et j'ai encore pas de contre-exemple. Donc c'est un gros motif de satisfaction, ça veut dire à quel point la démarche est juste depuis le début, quoi. Dans les pays développés, la VLH va s'inscrire directement sur la réutilisation d'ouvrages existants. On va implanter des VLH sur les canaux industriels, les canaux d'irrigation et surtout sur les anciens barrages de moulins qui peuplent tous les cours d'eau de tous les pays développés depuis le XVIIIe siècle. Donc premier marché, la réutilisation des sites existants. Second marché, dans les pays en voie de développement, là, on va toucher plutôt de l'électrification rurale, du développement en parallèle avec de la construction d'infrastructures nouvelles, avec la construction de nouveaux barrages, avec la construction de nouvelles infrastructures d'irrigation.
ça, c'est une machine qui fait 3550 de diamètre. Au début, nous avons sorti que des petites machines comme ça. Maintenant, on en est arrivé à des machines qui font 4000 de diamètre, des 4500 et des 5000. Donc, c'est pas la même taille, c'est pas les mêmes poids de machines. C'est là où c'est intéressant, parce qu'il faut toujours se remettre un peu en question. Donc, la VLH est une turbine de grande dimension. Elle est composée d'environ 3000 pièces. Nous avons à peu près une trentaine de fournisseurs pour faire cette turbine. Une des difficultés est de rassembler toutes ces pièces au même moment à l'atelier. Notre groupe aujourd'hui a réalisé plus de 1000 MW dans le monde et dans plus de 100 centrales. On est spécialisé et on a beaucoup d'expérience dans des centrales à basse chute où on a réalisé avec des communautés locales, des consortiums d'irrigation, des canaux, etc. plusieurs centrales, plusieurs types de solutions et on pense que ce type de centrales, c'est des centrales qui sont pour le futur. Des ressources pas aujourd'hui exploitées, qu'on peut exploiter sans contaminer et sans créer des problèmes à l'environnement. On croit que le développement de l'activité de la VLH, ça doit passer par des réalités locales comme l'activité et l'entreprise qui est en France, dans la région de l'Aveyron et en milieu. Le développement local particulier du travail pour les personnes, c'est notre esprit de groupe, du groupe où nous on travaille. On veut que localement ça puisse avoir du développement humain, économique, technologique. C'est ça qu'on utilise par exemple et qu'on veut que ça puisse passer dans les pays comme le Canada, le Chili, le Pérou où il y a des communautés locales, des Indiens. On veut que localement on puisse avoir un futur meilleur. Ça suffit de regarder les ponts des milieux même et enfin la VLH que c'est pour le futur, un des produits meilleurs qu'on va retrouver pour l'hydroélectricité mondiale.